Hello, I'm Jim Rockwell. Our program is People in Jazz, and today our man in jazz is Wes Montgomery. And many years ago, about 1959, well, it was indeed in 1959, a dear old friend with whom I had been associated owned a record company, which was Riverside, sent me a demonstration record of an album he was about to release. And it was a guitarist then quite unknown. It was Wes Montgomery. Précédente vidéo, je vous avais dit que j'avais une de mes amies qui venait pour quelques jours à New York. Là, on va passer à côté d'un tournage, attention. Et voilà, elle est arrivée hier. J'aurais bien aimé filmer hier son arrivée, mais ça a été assez catastrophique, donc les déchets tombés. Et du coup, on filme maintenant. On se promène. Je lui montre un petit peu la ville. Ça te plaît? T'es contente? Et il fait super beau, vous voyez le soleil derrière nous, mais par contre il fait froid, donc on a dû partir du World Trade Center, enfin de ce quartier là, tellement il y avait du vent. Ici on est à Union Square et c'est un peu moins venteux, mais je pense que... Je pense que ça va quand même s'entendre le vent, donc je vais éviter de trop parler ici. Rendez-vous plus tard. Re-coucou mes biches. Vous vous souvenez de cet endroit? On boit un coup. Bon, on est rentré se changer avec Stéphane. Je peux t'appeler Stéphane? Parce que il faisait vraiment caillant en fait. Il a fait 8 degrés environ toute la journée, 8-9 degrés, mais avec un vent à décorner les bœufs, et donc c'était très très désagréable. Et on avait franchement trop froid, donc on est rentré mettre notre gros manteau, le bonnet, l'écharpe, enfin la totale. On est le 2 mars et on caille. Voilà. Et ici, on est donc à nouveau au Bryant Park. À l'endroit où la fois passée avec le Crowley on s'était bu un bon petit cidre. Stéphanie, elle, a pris le cidre avec rhum, donc à la fin du vlog elle sera complètement pétée. Et moi j'ai pris le cidre sans rien du tout, que je suspecte d'être simplement du jus de pomme chaud. Voilà. Du coup je serai beaucoup plus lucide. Et ils sont en train de nettoyer la patinoire parce que oui, jeudi 2 mars, la patinoire est toujours là. Je pensais que ce serait fini. Oui, elle fond au milieu, donc elle est plus ou moins fermée au milieu, mais c'est la fin. C'est la fin des haricots. J'espère que le printemps va arriver bientôt pour de bon parce que ouais, il est temps d'avoir du meilleur temps. Voilà, santé. Coucou les biches. Aujourd'hui on est vendredi 3 mars et là on est en train de traverser le Brooklyn Bridge. J'espère que vous m'entendez parce que entre les gens et la circulation, c'est un petit peu compliqué. Voilà, derrière nous, il y a le Lower Manhattan. On part de Manhattan. On va vers Brooklyn, on va aller à Dumbo, entre les deux ponts. Là, si vous voyez, c'est le pont de Manhattan. Et donc on va aller voir la vue entre les deux. Point météo du jour, il fait beau. Il ne fait pas trop froid, contrairement à ce qui était annoncé. On annonçait quand même environ moins 8 aujourd'hui, mais il fait plutôt 3 degrés. Il n'y a pas trop de vent, contrairement à hier. Mais du coup, on s'est super bien habillé, quoi. On a mis... le bonnet, les gants, les écharpes. Il y a Steph qui est en train de me prendre en photo. Ou alors elle prend au-dessus et du coup je suis en train de faire signe à personne. C'est une chouette journée pour se balader. Je pense que du coup ce vlog va être un vlog sur 13 jours. Je vais essayer de filmer un petit peu tous les jours et vous publier ça à la fin du séjour de Steph. Voilà, c'est une idée.